Le troisième homme sans surprise donc s'appelle bien François Favre, qui avec ses 15% quasiment a gagné donc l'arbitre de ce second tour. Une grande victoire déjà pour le candidat Béatrice. Nous avons une construction à faire. La première des choses, c'est que nous voulons travailler entièrement, c'est-à-dire que je ne veux pas décider tout seul, mais que nous allons au contraire réfléchir avec l'ensemble de mes amis, tous ceux qui nous ont accompagnés, notre vie, c'est pour savoir comment nous allons construire cet avenir, si nous allons le construire en essayant de participer à aujourd'hui, ou si nous allons commencer à faire une démarche de rassemblement de l'État. En tout cas, dès le matin, nous allons nous rassembler, nous travailler, et puis proposer les bases de cet avenir que nous pensons. Thank you.
Bon. Je remercie.